Alors, je précise, autant les médecins ont une formation scientifique médiocrissime, quasiment inexistante. Moi, par contre, qui ai une formation scientifique, je n'ai aucune formation médicale. Je n'ai aucune légitimité médicale. Et je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que d'ignorant total à ignorant total, de profane total à profane total, c'est plus facile de communiquer. Ne vous prenez pas trop le chou à vouloir serrer au maximum dès le départ avec le scratch, le brassard, puisque de toute façon, quand vous allez pomper, vous allez monter et dépasser, il faut dépasser les 200. Donc la limite se définit par rapport à la pression dans le coussin. C'est pas un problème si vous perdez 3 mm d'un jour par rapport à l'autre, parce que vous avez moins bien serré votre brassard. La première étape, c'est de chercher votre artère ici. Vous n'avez pas besoin du stéthoscope pour ça. Vous vous détendez, vous mettez vos deux doigts. C'est pas violent, mais vous devez trouver votre pouls. Il n'y a pas besoin que ce soit violent ou doigt pour qu'on l'entende bien avec le stéthoscope. Bon, moi, ça fait plusieurs jours que je l'ai fait, que je m'entraîne, donc je sais que c'est là. Pour trouver votre pouls, moi, je vous recommande de ne pas avoir le bras suspendu, mais le bras tranquille avec le coude posé sur un support. Je trouve que c'est plus facile de trouver le pouls dans ces conditions de relâchement. Donc la première étape, ça va être d'arriver à le mettre tout seul, soi-même. Et franchement, c'est l'option, je trouve que c'est l'étape la plus compliquée. La hauteur du brassard sur le bras, c'est pas par rapport à l'endroit où on va mettre le haut-parleur du stéthoscope, qui s'appelle pas un haut-parleur, mais je pense qu'on se comprendra bien comme ça. La hauteur du brassard sur le bras là, ça doit être à peu près le niveau du cœur, quelle que soit la position dans laquelle vous allez vous mettre au moment où on va vous prendre la pression, la tension, où vous allez vous la prendre vous-même. Que ce soit à peu près au niveau du cœur. Donc là, assurez-vous que les tuyaux soient bien emmanchés de manière hermétique pour résister à la pression. On va aller au-dessus de 200. Ça, c'est votre pompe. Elle est équipée. En fait, cette bague, c'est un écrou, un simple écrou. On peut la dévisser à fond, la visser à fond. Et là, vous avez un interrupteur qui permet de relâcher la pression tout doucement. Donc c'est ça qu'on va utiliser en travaillant à une main pour faire diminuer la pression relativement rapidement mais gentiment. Il va falloir doser, c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Il y a un coup de main à prendre. On appuie ici tout doucement pour faire diminuer la pression et on va être à l'écoute de ce qui se passe sur le cadran. Et ce système est fait pour être manié à une seule main pour qu'on puisse se concentrer avec les yeux sur la lecture du cadran. Donc avant de commencer, assurez-vous que vous avez bien vissé à fond cet écrou. On va le faire une deuxième fois. Je n'ai pas réussi à capter dans ces écouteurs Bluetooth ce qu'on entend avec ses oreilles quand on utilise le stéthoscope. Donc je vais vous faire une reconstitution avec un son que je produis moi-même.
Quand vous l'avez fait deux fois, vous devez vous dépêcher d'enlever le brassard parce que vous pouvez en fait créer des lésions avec la pression. Vous voyez, déjà au bout de deux fois, j'ai des marques. Faut absolument pas le s'attarder, le laisser plus que des raisons. En fait, on met le brassard et on met en pression un nombre très limité de fois, deux fois, et surtout on le garde pas parce que ça peut être, on peut se blesser. Alors, pour comprendre comment déterminer votre tension, en fait, quand on dit déterminer votre tension, vous mesurez deux tensions. Je ne vais pas donner les noms précis, ce n'est pas nécessaire, mais en fait, quand vous donnez votre tension, c'est deux chiffres, deux unités différentes. Ce n'est pas une tension, c'est deux tensions qu'on donne. Quand on dit 14,7, ce n'est pas 14,7, c'est 14 et 70. Donc, on pompe pour dépasser les 200. Au-dessus de 200, la circulation est coupée. Donc le sang ne circule plus vers l'artère, donc on n'entend rien. Le sang ne peut plus passer, donc la vibration impulsée par le cœur ne peut pas se transmettre sur les parois de l'artère qui nous intéresse. Donc le haut-parleur qui est posé sur l'artère, il n'entend que dalle. Quand vous appuyez ici, vous allez doucement provoquer une diminution de la pression progressive mais maintenue. Et en fait, à la valeur de votre premier chiffre de tension, donc par exemple, si vous avez une tension de 16,5, ça veut dire que vous avez 160 et 50. Donc quand vous allez diminuer, si vous avez une tension, donc je disais, je sais plus, j'ai dit 165, quand vous allez diminuer, quand l'aiguille va arriver à 160, vous allez entendre les battements de votre cœur dans le haut-parleur. Puisqu'en fait, ça veut dire que la pression a suffisamment diminué, la pression exercée par le ballon sur les parois des vaisseaux sanguins ici, des artères ici, va diminuer suffisamment pour qu'on puisse commencer à entendre ici, via le stéthoscope, les impulsions sur les parois de l'artère ici. C'est le premier chiffre de la tension. Donc c'est apparition du bruit. Je vais essayer de vous le faire écouter ensuite. Et donc quand vous continuez à appuyer, vous maintenez la progression. Vous continuez à entendre, donc si vous avez 160, 50, vous entendrez à partir de 160, ça continue à diminuer parce que vous maintenez la légère pression, et le bruit va disparaître au bout de 50. Vous allez entendre tout toum, tout toum, tout toum, tout toum, et à 50, ça disparaît. Ça veut dire que vous avez 160, 50. Si le bruit apparaît à 130, tout toum, tout toum, tout toum, et il disparaît à 80, ça veut dire que vous avez 130, 80 de tension. Alors, s'il y a des médecins qui passent par là, je les invite à se manifester dans les commentaires, à faire part de leurs remarques, de leurs conseils pour s'améliorer, puisqu'effectivement, ce n'est pas cette vidéo un tutoriel nouveau, c'est pas un cours sur comment prendre correctement sa tension. Par contre, vous avez vu comment vous en procurer au meilleur prix et comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Et à partir de ça, c'est en pratiquant que vous allez devenir meilleur tous les jours, de plus en plus meilleur, parce que vous êtes incapable de ne pas vous améliorer. Votre cerveau est incapable de ne pas s'améliorer avec le temps. Rappelez-vous quand vous avez appris à conduire, quand il s'agit d'utiliser la clé dans le démarreur, au début vous étiez très très maladroit et vous vous êtes révélé incapable de ne pas vous améliorer dans le temps. Et bien là c'est pareil. À chaque exercice, vous deviendrez meilleur à mesurer votre tension ou celui d'un de vos proches. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez le même sujet mais fait cette fois-ci par des infirmières, donc des praticiennes qui ont l'habitude de le faire probablement très souvent, des personnes qui ont été formées pour le faire. Et justement, c'est en regardant ces deux infirmières que moi-même je me suis formé, entre guillemets. Vous avez aussi la possibilité d'acheter sur Amazon, j'ai failli le faire, des appareils au poignet ou ailleurs qui mesurent la tension automatiquement. Le problème, c'est que j'ai des gros doutes dans les commentaires sur la fiabilité de la mesure de la tension. Ensuite, même si vous avez une machine qui est automatique, il y a quand même des informations à prendre connaissance, il faut quand même un peu comprendre ce qui se passe pour le mettre correctement. Ou tenir compte de la position du positionnement de la personne. J'ai vu beaucoup de commentaires de personnes âgées qui disent qu'il y a quand même des gros écarts entre ce que nous on mesure à la maison avec un appareil automatique et ce que le médecin mesure en cabinet ou ce que les infirmières dans une EHPAD ou les aides-soignantes dans une EHPAD mesurent. Je suis pas sûr que les aides-soignantes aient le droit de prendre une tension, mais tout ça en tenant compte de l'effet médecin. Quand on va chez le médecin, c'est normal qu'on ait légèrement plus de tension. Ça nous affecte, mais bon, ça justifie pas des écarts aussi importants que ça. Et l'avantage d'avoir un sphygmomanomètre chez soi, donc le sphygmomanomètre, c'est l'ensemble, le stéthoscope plus le coussin avec le manomètre,
L'avantage d'avoir ça chez soi, c'est que ça n'a pas de pile, en tout cas sous cette forme. Donc il n'y a pas de problème de pile, ça c'est beaucoup plus fiable dans le temps, vous pouvez le faire chez vous. Si vous savez que vous mangez un peu trop salé, vous avez tendance à manger beaucoup de viande rouge, un peu trop sédentaire, vous devez surveiller votre tension pour vous éviter des gros problèmes et des grosses quantités de douleurs parfaitement évitables. Autre raison pour laquelle c'est très constructif d'être capable de prendre soi-même sa tension à domicile, c'est que ça vous permet de faire un suivi avec un échantillonnage bien plus puissant que d'aller chez le médecin. Parce qu'un médecin, effectivement, comparé à moi, ça n'a rien à voir. Ce que la capacité à mesurer la tension, j'espère, d'un médecin, avec ce que moi je vous ai montré, qui n'est pas un tuto, mais lui, il va le faire une fois tous les ans, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans, parce que si vous avez plus de 30 ans, moins de 40 ans, ou enfin, si vous avez moins de 40 ans, votre médecin traitant, vous le voyez très très rarement, il passe l'essentiel de son temps à s'occuper des personnes âgées. Donc la belle affaire qu'un médecin sache beaucoup mieux prendre la tension que moi, la belle affaire, il vaut mieux prendre pas très bien sa tension toutes les semaines, pendant des mois, sur des années, que la prendre très très bien une fois tous les 6 mois. Notamment pour vérifier que si vous ne mangez pas trop salé, si vous n'avez pas des problèmes de surtension, qui peuvent entraîner des grosses souffrances dans le temps et vous faire perdre des années de vie, accessoirement, mais surtout vous causer beaucoup de douleurs parfaitement évitables. Je rappelle que les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France, donc ça vaut le coup de surveiller sa tension de manière sérieuse. Si vous avez apprécié ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez résoudre par vous-même les mille et un problèmes de la vie de tous les jours, je vous souhaite bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Pour s'afficher à cet effet à l'écran, un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique santé pour soi-même et sa famille. J'essaie d'y indexer des connaissances pratiques pour veiller sur sa santé et celle de sa famille. Parce que mine de rien, il y a des choses parfaitement bêtes, parfaitement simples, mais qui ne sont pas connues de tous, et il vaut mieux être préparé pour le jour où ça nous arrive.